Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Galerian57 et nous revoilà pour la troisième partie. Donc vous vous rappelez que dans la deuxième partie nous sommes tombés de là-haut et nous sommes atterris là. Alors je vais vous rappeler où trouver les blocs de dehors qui vous permettront de remonter. Ils sont ici. Dans ce petit coffre là, il faut récupérer 4 blocs de dirt. Voilà où on les pose. Premier bloc de dirt ici. Deuxième bloc de dirt ici. Donc voilà. Par contre c'est assez vraiment très chaud à monter. J'ai essayé de le refaire de mon côté, j'ai pas vraiment réussi. Surtout avec mon clavier hein, de merde que je vous ai expliqué je sais pas combien de fois. Voilà. C'est celui-là le plus compliqué. Voilà, celui-là, il a le mur au-dessus de vous, vous sentez pile au bon moment et tout, et c'est assez chaud. Je crois que ça va commencer déjà à m'énerver. Vous sautez... Merde, voilà. Vous sautez pile de là, parce qu'il y a la petite mur, sinon... Oui, voilà, j'ai trouvé. Et voilà, ici vous posez le dernier bloc de dirt. Et voilà, vous êtes à la sortie. Il faut toujours un pont suspendu dans une bonne aventure. Oh putain, qu'est-ce que ça va être? On va pas tomber là-dedans quand même. Non, ça va. Alors, c'est pas des vacances ça. L'agence de voyage avait dit dans la publicité un séjour reposant et culturel. Culturel peut-être, mais pour ce qui est du repos, j'aurais pu tout aussi choisir l'Afghanistan. Oh, primar. Ok, donc là il y a rien. Je regarde un truc qui va me faire flipper la PC. Ah non, ça va, la PC. J'ai cru. Oh, l'église, magnifique. Avez-vous déjà essayé de faire un coup de voûte dans Minecraft? Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, où dois-je aller? Porte checkpoint. Allez l'ouvrir avant d'aller dans le clocher. Le clocher. Je pense que je dois le clocher sûrement. Bière, démon, ok. Visite du clocher payant. Bon, je m'en fous. Bon, je vais déjà aller ouvrir la porte checkpoint. Porte checkpoint laissée ouvert. Ok. Et ben, on va y aller dans le clocher, hein, puisqu'on a fait tout ça pour venir ici. Il y a un terrasse qui a un truc dans ce putain de clocher. Paypal, ouais, on s'en fout. Go. Non, est-ce que... Tiens, comment la nuit et le jour, ils passent vite. Continue ou... Je sais pas. Bon, en tout cas, je vais monter, moi. J'allais voir tout en haut. Dans la petite église, dans le petit truc que je disais que j'avais hâte d'y aller. Et ben enfin, on y est, hein. Stop, faire sonner la cloche vers l'infini et l'au-delà. Ok, voyons voir juste le petit truc de la cloche là. Ok, donc je vais toujours appuyer deux fois sur stop, hein, je retiendrai. Panorama. Oh, franchement magnifique, hein, vous voyez. Hein, les maisons, Sacré-Cœur, franchement tout magnifique. Oui, c'est bien de recommencer avec le coffre qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, je vais aller voir vers l'infini, au-delà, son machin là. Mécanisme de la cloche, propriété of...
Voilà, par là. Histoire du Sacré-Cœur de Montmartre. Sa construction est décidée en 1871 suite à la défaite de la France dans la guerre contre la Prusse, attribue à une punition divine sur un vote de l'Assemblée nationale. Le projet fut déclaré d'utilité publique. Elle offre à l'archive de Paris, à l'archevêché, je sais pas trop quoi, de Paris, la colline de Montmartre par expropriation si nécessaire. Paul Abadie gagne les concours d'architecture lancés par le cardinal de Paris. La première pierre est posée le 16 juin 1875. La décoration intérieure est en 1923. La basilique est en forme de croix grecque dont le dôme central atteint 83 mètres. Point le plus haut. Le clocher, quant à lui, avoisine les 100 mètres qui indique que les jeux vidéo rendent idiots. Maintenant, faites un somme parce que ça va se corser s'il fait encore jour, allez patienter au bar. Ah ben, ça me fera un petit checkpoint. Voilà, comme ça, si jamais je crève ou je sais pas trop quoi, je respawn ici. Ok, qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant? Je crois pas que c'est par là que je dois aller. Voilà. Big Air, 120 blocs de chute libre. Oh my god. Alors, où je crois que j'allais tomber. Ouais, je suis tombé. Oh mon dieu. Comment je remonte? Ah, ouf. Alors. Priez pour ne pas décéder. On doit sauter? Oh là là. D'accord. Ok. Bon, j'avais pas vraiment besoin de ces items, mais j'aurais préféré les garder. Bon, ça va, je suis un peaceful, j'ai pas besoin de bouffe. Mais bon, j'aurais quand même préféré les garder. On va courir un peu. Parce que... Et encore raté. Oh, les bruits des craquements des os. Comment on peut faire ce saut? Faut y aller comme un marde. Vas-y, vas-y, vas-y. À chaque fois, j'y suis presque, c'est pas possible. Enfin, je saute comme un malade. C'est pas possible. Ah ben voilà, là j'y suis. Non, j'y étais, j'ai arrêté d'avancer comme un con. Putain, comment ça va me casser les couilles. Oui, 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 bravo. Fouh. On y est, on y est, on y est. Par où je vais devoir aller? Par là. Ah, s'ils disent par... Par... Eh, je vais par où, moi? Par là, Ah, y a un des quatre côtés qui va faire flipper, un truc comme ça, je le sens. Là, c'est fermé par des pistons. Donc ça sert à quoi que j'aille là-bas? Rien. Là, c'est tout noir, ça va me faire flipper. Moi, je vais aller par là. Proche de les égouts. Sans haine ni violence. Va falloir faire péter tout ça pour avancer. TNT? Y'a pas de TNT? Je la trouve la TNT. Ouais, je la trouve où la TNT, moi?
peut y avoir de la TNT par là. Bah non, c'est fermé. Peut-être par là. Un croiseur s'amuse. Un bateau. Pourquoi un bateau? Il manque un bout ici. Le système semble cassé. Trouver la redstone pour le réparer. Mais je fais comment moi? D'abord il me faut la TNT je crois. C'est fermé. Là il y a quoi? Du tout noir. Ah il y a un levier là. Ça a ouvert quoi? Ah ça ouvre une des grilles. Ah, 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 ah. Peut-être ça? Oui elle s'est enlevée. Voilà. Prenez votre souffle. Oh non, on va faire nager. On voit que dalle. Ah, ouf. Au fait, vous savez que c'est l'eau des égouts. Bâtard. Explosif, attention à la TNT, ça morce tout seul. Lorsqu'elle est à proximité des blocs de diamants, posez la caisse et tirez-vous vite. Donc voilà, j'ai ma TNT. Voilà. On s'en fout maintenant un peu. Voilà. On va déposer cette TNT. Ouais, des diamants. On n'est pas besoin. Et ben la redstone. Voilà. Diamant, si on en aura besoin plus tard, ou peut-être, je crois, on verra bien. Merde, il s'est détruit. Merde, comment je fais? Bon bah je descends sur le bateau. Hein. Ça a juste été assez lent. Ça casse les couilles qui passent noir comme ça, ça fait flipper. Plus 3 secondes, je demande où on va atterrir. Et je vais par où moi? Ouais bah par là. Alors, si vous avez récupéré des items de votre bateau, veuillez les déposer dans ce coffre. Ok. Sur quoi je vais déboucher maintenant? Moi, je voulais juste passer une semaine de vacances peinard à Paris. Au lieu de ça, je saute d'un clocher dans les égouts. Pour faire sauter de la dynamite. Le jour de l'apocalypse. Dont je suis le seul survivant. Eh bah putain mon gars, tu te retrouves avec un paquet d'emmerde. Ouh, on arrive dans une salle. Pas du thé, enfin. Oula, bon. Thé. Pourquoi il y a des lettres? G.
Oh. C'est drôle, chaque petite chapelle que je viens de traverser a une couleur de moquette différente. Attends, on va d'abord aller voir ce qu'il y a derrière. Ça doit cacher quelque chose. Sûrement encore un truc de moins tordu. Encore un truc plus tordu. Ah! Mais c'est troublant quand même. Je sais pas si je devais passer par une des portes ou faire le tour. Bon, on fait le tour, on verra bien. Là, non, pas par là. C'est une des deux portes. Mais laquelle? Mais laquelle? Et maintenant je vais où? Ah, c'est la crypte que j'ai ouvert. Posez ici le truc de la crypte, ouais. Donc c'est pas là. Et où je vais moi maintenant? Chapelle de la crypte. Hommage hollywoodien. Hein. Bon bah on va aller voir la clé, je sais pas trop quelle colorimétrique là. C'est quoi ça? Alors, clé colorimétrique. 243 combinaisons possibles. Autant chercher des indices. God, Pet, Dog. Grâce au code de couleur cache dans la chapelle pour ouvrir cette porte, fonctionnement reproduire les trois mots. Fonctionnement reproduire les trois mots grâce au code de couleur caché dans la chapelle pour ouvrir cette porte. God, Head et Dog. Quand j'avais vu des lettres, donc c'est GED. Mais à quoi ça va me servir? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon bah si ça. Ça. Il faut mettre la couleur de la moquette. Ok. Donc là où t'as le God, c'est G là. Oh putain, ça va être long. Quand je vous disais que cette map est sadique, c'est pas pour vous faire flipper. Il faut toujours aller rechercher des trucs. G, j'avais vu par là-haut. La GED. Ça c'est un O, on s'en fout. Ah c'est un T, on s'en fout. Ah c'est un G, j'ai juste. G c'est rouge. Ok, donc G c'est rouge. Voilà, G c'est rouge. Alors il faut que je trouve E et T. E et T. E je sais plus quoi. E c'est bleu. On va bien mettre ça. Non. On va mettre rouge, bleu et... Non, je cherche le D. Rouge, bleu. Alors rouge, bleu, jaune. Donc les couleurs c'est rouge, bleu, jaune. Donc on va aller voir si c'était bien ça, si j'ai bien compris le jeu. Juste revoir le nom de la clé. Clé colorimétrique. À quoi elle va servir d'ouvrir, je sais pas. Donc ça c'est rouge. Ça doit être bleu. Et je veux pas de violet.
C'est du bleu que je veux. On va d'abord se trouver le jaune là-haut. Voilà, c'est juste. Là, c'est rouge aussi. C'était bleu. Comment je peux le faire moi maintenant? On va peut-être appuyer encore sur celui-là, je sais pas. Il n'y a pas de jaune. Remets-moi le rouge. Salle de God, c'était rouge. Voilà. Là, il veut pas me mettre bleu. Ya. Yeah. Mets-moi bleu. Et il veut pas me mettre bleu, mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible. Ça va plus vite comme ça. Je voulais pas me mettre bleu. C'est les aides là. Peut-être violet aussi parce que pour le A de EAT. Ah, il faut former les mots en fait. Ça, je viens de comprendre. Donc pour former EAT, c'est bleu, violet et T. Oh putain, c'est encore plus tordu que je le pensais. C'est encore plus tordu que je le pensais. Ici, c'est O. Donc c'est, ça va être orange. Ça va être rouge-orange. Ouais, ça va être rouge. Bon, nous, celle-là. Hein. Ça va être rouge. La première, ça va être rouge-orange et... Et je sais plus. Oh, je le verrai bien. Ça va être rouge, orange, jaune, voilà. Rouge, là, orange. Et même orange, voilà. C'est bon. Premier mot, il est fait. Après, je comprends pas. Fonction. Reproduire les trois mots. Grâce au code couleur de cache dans la chapelle pour ouvrir cette porte. Et mais c'est lequel des mots que je dois reproduire? Ça se trouve c'est pas du tout celui-là, je sais pas moi. Et hop, c'était bleu. Ce qu'il y a, c'est bleu-violet. Le violet après il est peut-être marron ou pas. Voilà, bleu violet. Maintenant je change celui-là. Non, pas rouge. Ah, le premier mot il est fait. Si j'attends, le deuxième mot il va peut-être être fait. Je crois que t'es marron, le T. En même temps, on va aller voir pour Dog. Il doit y avoir un rouge là pour Dog. Je sais que E c'était bleu. Ça c'était pour A. Ça et je vais revoir.
Là, c'est haut. Car c'était, je crois, c'est marron là. Voilà, c'était ici. Donc, c'est marron, j'ai juste. Oui, j'ai du diamant. Ensuite, ici, ça doit être E. Voilà, ici, c'est E. Là, c'est A. Bleu, violet et brun. Voilà, et lui, il veut pas. Jaune, c'est le D. Alors, D est égal à jaune. Ça va être jaune, jaune, orange et rouge, ça va être. Pour autant, il y a un truc qui me chipote avec la clé colorimétrique, on va ouvrir quoi. Ça, j'ai envie de voir. Elle s'est pas allumée, hein. Pourtant, c'est ça la combinaison de couleurs, j'ai plus rien. Non, là ça doit être pour G. Non, pour D. D c'est jaune. Voilà. Ah bah c'est bon, c'est ouvert. Ici c'est orange. Voilà. Et ici c'est rouge. Voilà. Fini. Ça devrait être fini en tout cas. Pourquoi ne s'ouvre pas? Il reproduit son mot. D, c'était bien. Quand j'ai fait le mot God. G, c'était rouge. Donc ça, dog. Ah bah c'est bon, c'est ouvert en fait. Oh, ça va. J'ai peur. Ah non, en fait, ça va m'emmener dans toute salle. Oh putain. Une carte de secours, ok. Prenez place dans le minecart, appuyez sur le bouton. Donc je crois que je vais conclure cette vidéo sur ce passage au minecart. Et on se retrouve bientôt pour la partie 4 de la vidéo. J'espère que cette partie vous aura plu. On aura juste trouvé la clé colorimétrique, même pas encore d'ailleurs. On aura juste trouvé un passage. Juste aller voir juste où il mène avec vous. Et après, je vous laisse. Donc, où c'est que ça va? Les jardins. Porte de checkpoint, laissez ouvert. Oui, on arrive dans les jardins, alors. On va y arriver. On va y arriver. Les jardins, magnifique, magnifique. Donc, le prochain épisode portera donc sur les jardins. Donc, je vous dis à la prochaine pour la suite. Et on se retrouve bientôt pour toute la suite, pour tous les autres tutos de cette map. J'espère que vous êtes beaucoup à regarder et merci. Allez, au revoir.